fin du premier jour de studio de notre session en Bretagne. On est arrivé donc là-bas au studio de la Chouette à Quaibriac, c'est avec Monseigneur Jérôme Briard en commande, qui nous a accueillis très bien et qui a fait un taf exceptionnel. Mais pas celle du banquier, celle d'un autre type de gars qui est souvent regardé. Étonnamment, on n'a pas commencé par la batterie. On a été un peu surpris, on savait un peu, on en avait un peu parlé, mais on n'a pas l'habitude en fait. D'habitude, quand on enregistre, bah, c'est classique qu'on commence par le batteur, mais pas là. Donc aujourd'hui, c'est Pimpon qui a ouvert à la guitare, quand on a chié comme un russe, parce que bah, c'est pas évident. Il était passé le premier, c'est pas simple. Hein. Tiens, c'est drôle d'ailleurs pour un Polonais d'en chier comme un russe. Elle est très très bonne. Bon, Pimpon s'en est sorti, hein. Il a fait ses guitares tant bien que mal et ça le fait, franchement, tout le monde était ok. Jérôme il a dit que c'était cool. Et Tim a enchaîné, Tim il a géré aussi, ça l'a fait. Alors voilà, les mecs ils mettent la pression parce qu'après c'est moi. Une fois qu'ils ont fini, bah, c'était à moi et moi j'en ai vraiment chié. Et genre vraiment quoi. J'ai changé vachement de mes lignes de basse, c'était pas du tout ce que j'ai l'habitude de jouer, c'est pas du tout ce que j'ai bossé en fait. Mais c'était pour la bonne cause, parce qu'en fait, Jérôme nous drive vachement, il est hyper à l'écoute, il est hyper impliqué, en fait. Il est hyper impliqué dans le projet, il veut vraiment réaliser l'album. Il veut vraiment réaliser ce trois titres, quoi. C'est pas juste « je vous enregistre » et voilà, quoi. Le programme demain, et ben on finit la basse hein, parce que le bassiste il a pas été foutu de finir. Les cuivres, la batterie, le chant, et après on rentre dans la foulée. Donc demain c'est la méga journée quoi. Franchement c'est que du positif et je suis vraiment, je l'ai déjà dit, mais je suis vraiment pressé qu'on voit ce qu'on écoute, ce que ça va donner et qu'on vous fasse écouter avec le petit clin d'œil à la fin.